Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play sur Mountain Blade Warband. Allez, on y retourne, la dernière fois ça s'était super bien passé, on avait ultra géré, on avait un fief, on a fait plein de batailles. Et là maintenant il faut vraiment qu'on gagne des sous, qu'on augmente nos unités, qu'on fasse des missions. Tout ça c'est hyper important. Franchement, tout simplement là il faut qu'on gagne des sous. Ah oui, j'avais mon personnage augmenté, augmenté un tel. Et il faut que j'augmente l'ingénierie. Ah, intelligence trop faible. Dommage. Sens du commandement aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premier secours, ça peut être utile parce que si on fait des batailles qui s'en suivent, ça augmente de 5% ma vie à la fin de la bataille. On va augmenter l'arbalète aussi. Hop. Allons-y. Allons-y, allons-y. Circle, qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, Ruskal, visiter la taverne, d'ailleurs, est-ce que je peux pas vendre des prisonniers? Cavalerie mercenaire. Y'a personne? Là-haut, y'a personne aussi, je crois. Hein. Je crois qu'il y a personne la plupart du temps. Ce qui est d'ailleurs très nul. Ouais, y'a personne. On va se promener dans les rues. J'ai besoin d'aller voir le... Ah, zut! Le maître de guilde. Où est-ce qu'il est? Il est peut-être pas à l'entrée, je sais plus où il est. On va aller voir à droite. C'est pas lui, non, c'est le garde du donjon là. On va voir de l'autre côté. Oh, je sais plus où il est. Je sais plus du tout. T'es qui toi là-bas? T'es un garde? Un geôlier. Vers la reine. Mais alors t'es qui là-bas? Ah ah. Bonne question. Qui es-tu? Garde du château. Ah, c'est le château. D'accord. Attendez, hop, on va faire ça. Hop, se promener dans les rues. Ah, bah voilà, ça va mieux. Alors, maître de guilde. Parlez. J'ai tué quelques pillards. Oh. Les pillards ne sont désormais plus une menace. Nickel, 500 deniers, renommée augmentée de 1 et relation avec Ruskal améliorée. Génial. Avez-vous un travail pour moi? Une semaine, plusieurs... Nous avons entendu dire qu'il y a une semaine, plusieurs voyageurs en provenance de Nomar ont été attaqués par des bandits des forêts. Nous aimerions traquer ces bandits des forêts. Ok. Proche de Nomar. Attendez, on est... Alors, on n'est pas tout à fait opérationnel. Attendez un peu. D'ailleurs, je regardais. Ouais, du coup, j'ai quitté. C'est pas grave. Dépister les bandits près de Ruskal. Alors, faut que je les trouve. Faut que je les trouve. D'ailleurs, là, on est à côté de Nomar. Recruter. Où est-ce qu'il peut bien être? C'est là qui... C'est la question qui tue. Près de Nomar. Des bandits des forêts, bah je suppose qu'ils sont dans la forêt. Allons-y. Allons-y, allons-y. Juste ça va, on est au top. Par contre, on voit rien là. Du coup, on va peut-être camper un peu. On va attendre ici pendant un certain temps. Ah, c'est mieux. Donc là, Sir Berens. Ah bah tiens, Veduka est plus assiégé. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas un... Un esclavagiste qu'on puisse vendre tous nos prisonniers. Bon, c'est pas très glorieux, j'ai envie de dire, mais bon, la guerre c'est la guerre. Hein. Dire vous faites des conneries. Oh mon dieu, il y a plein d'unités partout là. Ah ouais, ils ont l'air de s'être bien amochés quand même. Visiter la taverne. Oh tiens, je connaissais pas cette taverne. Alors qui a Firantis, fermier, quart de caravane, troubadour nomade. Et rançonneur, rançonneur. Alors. J'ai des prisonniers à vous vendre. Hop, ça fait plein de sous. J'ai vendu un arbalétrier soigneur. Oups, j'aurais dû le prendre. Alors, il y a un fermier. Messire, vous semblez savoir manier les prix de quelqu'un qui pourrait nous aider. Écouterez-vous mon noble requête. De quoi s'agit-il, mon brave?
Les bandes de brigands ont trouvé refuge dans notre village. Ils prennent tout ce que nous avons et nous forcent à les servir et sont encore plus durs avec nous. Si un d'entre nous laisse échapper le moindre mot de protestation, il tue ce malheureux sur le champ. Nos vies sont devenues insupportables. T'as l'air pas très vif non plus. Hein. J'ai risqué ma peau et je me suis enfui pour trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Pourquoi n'allez-vous pas voir le seigneur de votre village? Il devrait s'occuper de cette vermine. Je l'ai fait, messire. Mes hommes de ce seigneur n'ont pas laissé le voir. Ils m'ont dit qu'il n'avait plus d'important à faire. Et nous devions gérer le problème par nous-mêmes. Et ben allons-y. Et Shaza. C'est où Shaza? Ah bah oui, c'est pas loin. Allons-y. On va faire ça dans la foulée. De toute façon, ça fait toujours des sous, des trucs comme ça. Et puis d'expérience. L'expérience, je vais pas cracher sur l'expérience, voyons. Alors attendez, j'allume un peu la lumière chez moi. Hop. 21 bandits. Bon, ça devrait aller, surtout qu'il y a les fermiers avec nous pour compenser. C'est-à-dire ils font tampon. Ah, ça dépend s'ils sont à cheval par contre les gens. Ouh. Pousse-toi. Boum. Non. Tiens. Boum. Tu fais U. Mais pousse-toi le cheval. Voilà. Ah. Boum. Boum. Non, toi t'es avec moi. Faut peut-être pas que je te tue. Alors est-ce qu'on a eu des pertes? Pour l'instant, non, pour l'instant il n'y en a pas. Ah si, j'ai une recluse fadienne à assommer. Faut que je fasse gaffe. Boum. Nickel, on a gagné. Ah non, pas encore, il reste un. Ça y est, on a gagné. J'ai eu un blessé. Et pas de mort chez les alliés. C'est-à-dire pas de mort chez les fermiers, c'est déjà pas mal. Nickel. Pour prendre ce qu'ils veulent me donner, hein. Ça fait toujours de la bouffe gratuite. Ah, surtout que j'ai plus de bouffe du tout. Oh mon dieu. J'ai plus de bouffe du tout. C'est pas cool. Je vais peut-être aller acheter de la bouffe. Quoique, il doit y en avoir dans les villages. C'est un village florissant en plus. T'es sérieux, ils ont rien du tout. Et quoi, ces villages de tout pourri. On va devoir aller là-bas et acheter des trucs. Hein. Tout nul. Se rendre à la page du marché. Marchand de bien. J'ai besoin. Déjà je vais vendre ces merdouilles. Hop. Et ça m'encombre. Acheter du pain, on va acheter du poulet. Acheter du bœuf. Il faut pas trop que j'achète non plus parce que sinon je vais avoir. Comment dire? Je vais avoir de la viande pourrie, des trucs pourris, et puis ça me sert à rien des trucs pourris. Donc là il faut toujours que je dépisse les bandits, hein. Épicer les bandits. Trouver des bandits qui voyagent près d'Euskal. Bon. Faut que je les trouve. Ils doivent pas être bien loin de toute façon. Ah, j'aime pas la nuit, on voit rien. Ah oui, si j'ai oublié de voir les promotions. Fantassin. Homme d'armes. Toujours pas de chevalier soudien. Voilà. Coup hebdomadaire 416 quand même, c'est pas rien. Peut-être camper un peu. Attendre pendant un certain temps. On va attendre le jour. Ouais, j'étais pas concentré là, du coup, j'ai pas vu que le jour était arrivé. Où est-ce qu'ils peuvent bien être, cette année bandit? Là, il y a des flèches. Comme quoi, il y a une piste. Est-ce qu'on pourrait pas la remonter? Qui ça peut bien être? 5 heures. Ah, on voit plus rien à 4 heures. Alors, je pense que c'est pas eux. Hein. Je pense que c'est pas eux. Ah, quoique, ils dirigent vers la forêt. Ah, il n'y a plus de traces. Ah, la bande de salauds. Ah, si, il y a des traces. Il y a des traces encore. Putain, je vois vraiment... J'ai perdu la trace. Bon, génial. On peut revenir. Et pas facile de les traquer ces bandits. Hein.
pas facile du tout. Demi-tour. On va retourner vers Uskal et vadrouiller un petit peu partout. Donc c'est quand est-ce qu'on a une guerre qu'on puisse s'amuser un peu? Je veux dire, là pour l'instant on s'amuse pas des masses. Alors je veux bien taper sur des bandits et tout ça, mais j'aimerais bien taper sur des grosses armées avec trucs à 200 contre 200, ça peut être vraiment sympa. Alors, t'es du côté de Yarangar. De toute façon, ça devrait être, il devrait être en bleu, les unités devraient être en bleu. Une caravane des Vaigir. Armée du Sirplay. Est-ce qu'il n'y en aurait pas par là? Ah, oh, j'aime pas la nuit. C'est pire que ça, c'est la soirée pour l'instant. Camper. Minuit, nuit tardive. C'est le jour. Ah mais ils sont où? Pas possible. C'est-à-dire, ils peuvent pas être paumés comme ça. Ah, une inculpation pour trahison. Bon, pas d'accord. C'est pas pour moi. Bataille fermée du village contre. Il y avait une bataille là. Wow. Ils ont disparu rapido, moi je trouve. C'est quoi ces traces? Qu'est-ce que c'est que ces traces? Ils vont dans la direction de la forêt. Ils vont plus dans la direction de la forêt. Ils se barrent. 60 à 69, ouais non. Les groupes de 60 à 69, non, c'est pas ce que je cherche. Enfin, je crois pas, j'espère pas. Peut-être aller là-bas, peut-être qu'ils sont là-bas, tout simplement. Ah bon voilà, on a des raids de 360, c'est plutôt un peu mieux. On va dire que c'est un peu mieux. C'est pas extra parce que j'ai un village tout pauvre, mais c'est pas non plus horrible. Eh ben, attendez que ce soit un peu plus animé. Allez, allez. Trouvez-moi ces foutus. C'est foutu malfrat. C'est pas gagné. Où sont-ils? Bon, et puis si je trouve pas, hein, j'irai ailleurs. Hein. Si on allait voir Asuno d'ailleurs, tiens. Allez hop. On va à Asuno et puis on va essayer de voir une autre quête. Hein. Ça me casse les pieds. Pour rester poli. Allons-y. Direction Asuno. De toute façon, peut-être que je tomberai dessus par hasard, comme ça, pouf. Un jour ou l'autre. Peut-être, peut-être. Il y avait un tournoi? Eh oh! Ah non, c'est pas chez nous. C'est où, Wersh machin, là? Wersh machin. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut, c'est là-haut. Faut aller à Asuno. Allons-y. Alors, visiter la taverne. Est-ce qu'il n'y aurait pas des quêtes? Cléti, t'es qui Cléti? Doit être une héroïne. Elle était quoi? Scald de nomade? Ouais, non, tu as envie de m'apprendre des poèmes. J'en ai rien à faire. Alors, se promener dans les rues. Bon, attendez, je vais prendre mon cheval. C'est pas ça que je voulais. À quitter la ville. Revenir à la ville. Se promener dans les rues. Du coup, j'ai mon cheval. Alors, le maître de guilde. Alors, où est-ce qu'il peut bien être? Ah! Bah du coup, je peux plus monter les escaliers à cause de toi. Ah! Est-ce qu'il serait pas par là, d'ailleurs? Non. Ça a pas l'air d'être là. Ah bah je peux carrément pas de toute façon monter ces escaliers-là à cheval. Ah bah j'ai un cheval tout pourri. Fantassin, milice. Maître de guilde. Avez-vous un travail pour moi? En fait je cherche un aventurier doté de compétences similaires. Oh, il y a ce groupe de bandits particulièrement gênant.
Ok, bon bah allons-y. Encore une pourchassage de bandits. Ah oh, bah ils sont là. Allez, 20. Oh, une armée me rejoint dans la bataille. 141 à 20. Oh. Avantage de combat 13. Tu m'étonnes. C'est-à-dire là, ça va être plus du massacre qu'autre chose. Oh la vache. Bon. Oh, j'ai touché. J'ai touché ou non, j'ai pas touché. Boum. Tiens, viens là. Viens là. Ah, voilà, je t'ai fait tomber de cheval. Boum. Boum. Il tombe sous mon épée. On se croirait dans Game of Thrones. Un peu. Alors c'est pas aussi beau que Game of Thrones, c'est sûr. Ni aussi gore. On dirait qu'il y a du sang sur mon épée, mais bon, même s'il y a des batailles où on défonce tout. Une fois j'ai fini une bataille où j'étais tout rouge quand même. Aucune perte. Nickel, et on a un tueur. Ah ça c'est expédié. Hein. Et en plus des soldats sont prêts à être promus. Homme d'armes. Chevalier, singe, j'ai mon premier chevalier. Et ben on va pouvoir aller dire au maître de guilde qu'on a roxé du pâté. Alors est-ce que je peux pas? Bon bah ben non, sans paraît que je peux pas. J'ai voulu sauter sur les escaliers. Voir si je pouvais pas sauter certains des murs invisibles, mais non. Ah voilà. 90 deniers. C'est tout? Relation suno avec amélioré, mais bon. Oh, un travail. Escorter une caravane. Ajelkala. Bon bah allez, allons-y alors. Bah allons-y. Allez d'où la caravane? Ah vous m'accompagnez? C'est-à-dire que vous me suivez ou pas? Faut que j'aille à Ajelkala, il semblerait. Ah c'est pas la porte à côté quand même. Allons-y. Pas que j'aille trop vite. Je suis où? Je suis à Suno, c'est ça? Allez me suivre. Ah, attendez, on va monter mon personnage. On va monter l'intel parce qu'il faut vraiment que je monte l'ingénierie. Et qu'est-ce que je peux mettre comme deuxième point? Pistage. Révèle plus d'informations. Avantage de combat. Repérage. Champ de vision augmenté. Ça c'est bien par contre. Ça c'est super génial. Par contre, faut pas non plus que je te paume, toi. Allez, tes scènes de dessus, un peu mieux. Il y a des chaliers aussi qui doivent monter. On va monter quoi? Monter la force, encore. Augmenter la santé. Et toi, t'es en arme à deux mains. Voilà. Confirmé. Allez, bouge-toi les fesses. Dire, j'ai pas que ça à y faire. Allez. Et disons, les quêtes d'escorte, c'est jamais génial dans les jeux vidéo, moi j'ai envie de dire. Vous me suivez là? On va passer par là pour aller à Jelkala. Allez, on va se remettre au même niveau. Vous avez quelle vitesse? 4,5. Vous êtes tout lent. Et en plus de ça, si vous n'allez pas dans la même direction que moi, ça va pas aller. Oh là 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 là. On va l'attendre. On va passer par là. Oh, c'est pas facile. Hein. Il faut être patient. Patient, patient. Bon, ça va, on se fait pas attaquer. Et je fais ça pourquoi 190 deniers? Oh, vache. On dirait les récompenses de quête dans Skyrim. On fait tout un donjon complet pour 100 pièces d'or. Wouhou! On va dire heureusement que le donjon il donne des trucs hein, parce que sinon c'est du foutage de gueule, c'est carrément rien. On va passer par là. Bon, c'était peut-être pas le plus court, c'est pas grave. On va l'attendre. Allez, ramène ta fraise.
Ouais, bah. Ouais, et puis ça fait 20 minutes. Ah, je t'ai paumé, je t'ai paumé, je t'ai paumé. On va dire, me paume pas. Tiens, il y a un village qui a été pillé. Allez, viens par là. Non, mais fais le tour, tu peux pas passer par l'eau. Faut l'accompagner, c'est ça? Bon, bah alors, ok. Il faut attendre alors, je suppose. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va lui parler? D'accord. Bon, ils m'ont suivi. Ah d'accord, bon j'ai pas tout compris, hein, c'est pas grave. 150 deniers, pas génial. Par contre, on a obtenu pas mal d'expérience. Même si je m'en fous un peu en fait. Ben on va demander au maître du guide aussi. Hein. Ah ben ça fait 20 minutes. Ok, bon ben on arrête là cet épisode. Ben ça va être comme ça pendant un petit bout de temps pour augmenter notre fief. Il nous faut des sous d'ailleurs. D'ailleurs je pense que prochain niveau que je monte et où on augmente l'intelligence, on met un dernier point d'ingénierie, donc on aura 5, c'est déjà pas mal. Et on commence la construction d'un morceau de notre fief pour augmenter sa prospérité. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre, mais on va mettre quelque chose. Surtout que là on commence à avoir pas mal de sous, c'est déjà pas mal. Bon, ben bon épisode. Je suis plutôt content, il y a eu pas mal de bastons, même si ça a été casse-pied l'escorte, et puis j'ai toujours pas trouvé là où il y avait les bandits, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas abonné, et puis voilà, voilà. Et ben à la prochaine, salut à tous !